Les Tchadiens vivant en Éthiopie, eux aussi, ne sont pas restés en marge du 57e anniversaire de l'indépendance de leur pays. Autour de l'ambassadeur du Tchad en Éthiopie, ils ont organisé une cérémonie de réjouissance. Aman Issa Kazina. Au-delà de nos frontières, la fête marquant le 57e anniversaire de l'indépendance du Tchad est également célébrée. Une fête commémorée chaque année pour marquer la rupture entre la période coloniale et la longue marche vers l'édification d'une nation tchadienne unie, forte et prospère. Pour exprimer leur attachement à leur pays, les Tchadiens vivant en Éthiopie se sont regroupés auprès de l'ambassadeur du Tchad en République fédérale démocratique d'Éthiopie, Chérif Mohamed Zène, afin de célébrer l'événement. En 57 années d'existence comme État indépendant, le Tchad a réalisé des prouesses diplomatiques à l'échelle continentale et mondiale, comme le relève le diplomate tchadien en République fédérale démocratique d'Éthiopie. L'élection du Tchad comme membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2014-2015, son élection à la tête de la présidence de l'Union africaine en 2016, et l'élection de son candidat à la tête de la Commission de l'Union africaine en janvier 2017 constituent, entre autres, des éléments tangibles de la reconnaissance par la communauté internationale de ses efforts en faveur du maintien de la paix et de la sécurité internationale. Chérif Mohamed Zène a également salué les relations de fraternité et de coopération qui existent entre le Tchad et l'Éthiopie. Pour lui, la coopération exemplaire développée entre les deux pays a permis à des dizaines d'étudiants et stagiaires tchadiens de se former dans les écoles éthiopiennes de pilotage et de maintenance.